qu'on finira un balai une fois? Est-ce qu'on finira un balai une fois en entier, les filles? Parce que c'est toujours pareil, là. Vous m'excitez, puis vous me laissez sur ma faim. Merci. Hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de L'Heure à l'appel, qui est une émission en direct et en public. Ce soir, le téléphone sonnera. Et s'il sonne grâce à vous, vous remporterez la somme de 10 000 francs. Non, pas encore. Attends. La cagnotte ne fait qu'augmenter, mesdames et messieurs. C'est un record dans l'histoire des jeux. Ce soir, une cagnotte à 150 000 francs. Donc, une soirée qui peut vous rapporter la maudite somme de... La petite somme de 160 000 francs. Bien, le téléphone sonnera, ça, c'est une chose certaine. Il me reste à vous présenter les deux équipes qui vont animer cette soirée. Mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, voici les Bleus et les Blancs. Ouais, Emeline, ouais, facile, facile, Emeline. Emeline à la patate, Emeline à la pêche. Ouais, on y bosse, quoi. Y'a pas de problème. Emeline, en forme? En forme. Bon. Emeline, bonsoir, vous êtes venue avec Gilles et Franck. D'où vous venez-vous-t-il donc? Valenton. Où ça? Valenton. Oh, déjà, vous me parlez sur un autre ton. Alors, tout de suite, Emeline, il faut que ça soit clair entre nous. Si vous espériez une aventure sexuelle, non, c'est raté. Il n'y aura que du professionnalisme entre nous. Ne me regardez pas avec ces yeux-là. On reprend depuis le début. Emeline, bonsoir. Vous nous arrivez d'où? Valenton, dans le Val-de-Marne. Alors? Valenton, dans le Val-de-Marne. Qu'est-ce qui vous lie les uns aux autres? L'amitié. L'amitié. L'amitié, ouais. On aime jouer aux jeux. Je vous cause à vous? Non. Toi, je suis à deux doigts de conclure avec Emeline, là. Dans l'amitié. Vous êtes une bande de copains et vous s'est dit, tiens, chiche, si qu'on irait voir la gaffe. Voilà. Quelques applaudissements pour les Bleus. Et quelques amitiés à la famille Gébard, c'est ça? Gébard, Marjo, adieu. Ouais, il y en a un, là, bille en tête. Allez, Vic. Bonsoir. Qu'est-ce que vous êtes belle. Alors. Vic, bonsoir, vous êtes venu avec Pascal et Thierry. Deux frangins, peut-être. Hein? Si, ça, il y a un chromosome qui a merdé. Alors, du coup, c'est les deux mêmes, là. Soyez les bienvenus sur le plateau de L'Heure à l'appel, Vic. Merci. Entre nous, ce sera pareil. Je veux qu'il n'y ait que des rapports d'amitié. Il est hors de question qu'il y ait une relation sexuelle entre nous. D'accord. Que ce soit clair. Y a-t-il un homme qui compte dans votre vie en ce moment? Certes. Certes. Il est là? Non. Ça tombe très bien. M'occupe de tout. Bonsoir. D'où venez-vous? De Metz. De Metz, dans l'Est. À la bonne heure. Voilà une ville qui nous a accueillis moult fois et que de bons souvenirs gardons-nous de cette ville. Et quel est le lien qui vous unit? L'amitié et nous sommes aussi collègues. De travail. Vous travaillez dans quoi? On travaille au comptoir d'Haïti à Metz. Comptoir d'Haïti? Oui, de l'art haïtien. À la bonne heure, à la bonne heure. Bien, allez, on va tout de suite attaquer. Quelques applaudissements pour les Blancs, voilà. Que le meilleur gagne. Nous allons tout de suite commencer par rapporter des œufs. Ben ouais, ça nous manquait les jeux de pétards. Alors tiens, on s'est dit, on va en remettre un petit coup. Qui va faire le chef? C'est vous, Gilles. Vous allez être opposé à Pascal. Mesdames, vous allez vous mettre en réception des œufs à la coque. C'est parti pour la première manche. Rosa. Chérie Rosa, tout va bien? Je t'aime beaucoup dans ces petites tenues. Moi aussi, je t'aime beaucoup, là. C'est très, très joli, ça. Hein? Enfin, tu remettras l'abat-jour à sa place après. Hein? Bon, on rigole. Bien, Gilles, vous démarrez. Gilles, à mon top, vous aurez une minute pour prendre un œuf, le planter sur le pic de l'assiette, mais allumer la mèche de l'œuf, mettre l'assiette sur votre tête, enjamber ces deux barrières et aller poser l'œuf intact, s'il possible, dans un décoquetier qui est à votre disposition. Evelyne, faites attention, car parfois l'œuf pète après l'avoir été déposé. L'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui a ramené le plus d'œufs. OK? Attention. 3, 2, 1, top les Bleus, c'est parti. Une minute. Allez, on met le feu. Ah, celui-là. Celui-là, il va pas péter. Il est beau, celui-là. Celui-là, il est beau. Ça nous fait un œuf. Voilà. On va pas nous enlever la moquette. Celui-là, voilà. Ah, va péter, celui-là. Il va péter. Il va péter. Ça, j'ai... Oh là. Ah bah ouais, il a pété, alors je veux. Allez. Est-ce qu'il va péter celui-là? Oui, non, non, oui. Celui-là, il est bon, je le sens. Je le sens. Je le sens bien. Attention, Evelyne. Et ça nous fait deux œufs.
Va falloir y aller, Pascal. Va falloir attaquer derrière. Ah, va péter celui-là, elle va péter. Ah, bah oui, il va péter celui-là, je l'ai dit. À pas me cramer les derniers cheveux. 8 secondes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9. Il est bon. 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 Ça va, mère? Oh, là, il est bon. Il est bon ou il est pas bon, alors, du coup? Il est bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en régie? Il est bon ou il est pas bon? Il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. C'est ridicule, moi je dis qu'il devrait être bon, il devrait être accepté. Bon, attendez. Si vous amenez 3 œufs, il y aura égalité. Il faut amener donc 4 œufs pour gagner. Voilà. Sinon 3, c'est égalité. OK ? OK. Allez, comme ça, il n'y a pas de... Bon alors, moi le chef, je n'en pète, moi. Je n'en foute de la régie, moi. Je n'en foute, moi. Je manque que l'émission. Oh, sa mère, s'il n'est pas content, il vient le réalisateur. Je pète sa gueule, moi. Sa mère. Pascal, faut amener 4 œufs. Ou 3 au moins pour faire égalité. Okay, okay. Attention, Gilles, vous restez là, on aura les prolongations. Rosa, vous avez un bon contact tous les deux. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez-y, Pascal. Il y en a l'autre, il va péter. Il a pété copieux, hein. Allez, vite, on y croit, on se bat. Quel nez. Oui, Vic, joli. Préparez les mouillettes. Faites les mouillettes. Il va péter. Faites attention, Vic, hein, il va péter celui-là. On a toujours un seul œuf, il reste 15 secondes. Il va péter celui-là, Pascal. Ah, bah oui. C'est con comme jeu, hein. Oui, ça, je suis bien d'accord avec vous. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Énervé, Pascal, énervé. Merci. Maman. Bon, ben là, il n'y a pas photo, hein, que ça soit 2, que ça soit 3, vous remportez cette première manche. Qui fait le premier vrai faux? Moi. Evelyne, calmez-vous. Allez, on est parti pour le premier vrai faux. Musique, chanson. Le vrai faux. J'ai posé les questions et j'attends de vous une réponse. Allez, le bouton d'argent est une fleur blanche. Vrai. Vrai, et le bouton d'or est une fleur jaune. Bonne réponse. Un fluviomètre indique les fluctuations boursières. Vrai. Non, c'est faux, c'est un appareil qui sert à mesurer le niveau d'eau des cours des rivières. Eh oui, je suis bien d'accord avec vous. Chez un homme, on compte à peu près 700 poils par sourcil. Vrai. Bah ouais, moi c'est ce que j'ai sur la tête. Bonne réponse. Une boyaudière est une personne qui prépare les boyaux en vue de leur utilisation culinaire. Vrai. Tiens, voilà du boudin. Et bonne réponse. Ouais. Nu, N-U, est la 13e lettre de l'alphabet grec. Faux. Eh non, dommage, c'est vrai. C'était un coup de bol. Hein. C'est dommage. Un homme atteint de pense-pensée. Permis, je ne connaissais même pas ça. Un homme atteint de pense-permis est 2 fois plus fécond que la moyenne. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Vrai. Vrai. Non, c'est faux. C'est une doctrine qui prétend que la vie est venue sur Terre à partir d'une semence venue d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, question. Dernière question. Un objet fongiforme, pardon, est un objet qui a la forme d'un champignon. Vrai. Et vous avez entièrement raison. Bonne réponse. Ça nous fait 4 bonnes réponses, 40 secondes, plus les 10 secondes qu'on vous offre, ça fait 50 secondes pour essayer de découvrir le mot que cachent les gaffettes. Qui va s'y coller? J'y vais. Vous allez vous faire du mal, Franck. Hein. C'est pas grave. Attention, pour l'instant, on ne découvre que le mot. Hein. On verra. Que ce soit clair entre nous.
Allez, Franck, on est parti pour le premier chiffre. Tournez-vous un peu vers moi. Bien. Si vous répondez à la question suivante, vous avez un bonus de 3 secondes. Parmi nos gaffettes, il en est une de couleur. Laquelle? J'ai pas dit gris clair, hein. Bon, allez, on laisse tomber. T'as 3 secondes, laquelle, c'est... Laquelle Ouais, laquelle, ah oui. La dame, là. La première, oui, c'est ça. Elle est blonde. Elle est blonde. Oui, elle est blonde. Oui, faut arrêter la javel, hein, Franck. Hein, faut arrêter. Allez, vous avez 50 secondes pour remettre les lettres dans l'ordre afin de trouver le mot qui correspond au chiffre, mesdemoiselles, s'il vous plaît. Voilà. Je vais mettre le L en premier. Le L en premier. Rosa, chérie. Ben aquí. Le U en deuxième. Allez, mets le U derrière. Le S en troisième. Le S en troisième. L'usté. Le T en troisième. Le S en quatrième. Le S en quatrième. Inversé, clarifié. Le R avant le E. Le R la avant le E. Lustre. Lustre. Il vous reste le, 4 le S secondes. Avant le T. Le S avant le T. On va y arriver. Voilà. Et on dit lustre. Il n'y en a pas pour des lustres. Allez, on va voir si vous avez bon. Les filles. Lynn, tu t'appliques, hein, sinon tu le refais toute seule. Je te préviens, hein. Comme ça maintenant. Là, punition, chanson, musique. Et 4, 9, moins 8, 1. Bonne réponse. Merci les filles, à tout de suite. À la bonne heure, ça y est Franck. Un point, 6 000 francs remportés, l'affaire est dans le sac. Tout n'est pas perdu. Tout espoir est encore possible. Voire même de prendre la tête. Vic, on compte sur vous. Important. Bien. Alors, A, y a-t-il des adeptes de la pédale? Oui. Qui lui, non, pas moi, je de la pédale, lui. Du vélo, moi. Le vélo? Oui. Bah oui, sur un vélo, il en faut deux. Vous allez, Thierry, vous vous sentez bien là-dessus? Ça va. On est parti pour la deuxième manche. Allez, en piste! Le Tour de France part de Lille, passe par Strasbourg et Cavalaire. C'est important, Cavalaire, hein. C'est très, très important, hein. Très important. Le Tour de France, il va passer par Cavalaire, c'est très important. Une fois à Cavalaire, ensuite on continue, le reste, c'est beaucoup moins important. Cavalaire, très important, Cavalaire. Donc, le premier qui a fait péter tous les ballons, on va pas donner au bleu l'avantage quand même, c'est sale gosse, regarde moi. Ah ben si, il l'a dit donc. Hop là, voilà. Du coup, c'est le blanc. Le premier qui fait le tour complet, attention, 3, 2, 1, top, c'est parti! Et le blanc prend l'avantage. C'est toujours le blanc qui est en tête. Et le blanc rentre en menaçant, le voilà, Cavalaire. Oh, on rentre dans le bleu, le Cavalaire. Et bien, il vient de passer le Rayol, et nous sommes à Toulon. Et c'est toujours le blanc qui est en tête, mesdames et messieurs, qui va faire péter le dernier ballon. C'est son coup à coude. Ça suffit. Encore. Encore vous. Ah ouais, encore moi. Marche bien la pédale, hein. Allez, qui fait le deuxième vrai faux? Moi. Allez, Gilles, on est parti pour le deuxième quiz. Gilles, on va jouer avec les éleveurs. Un aviculteur élève des volailles. Non. Eh ben si, pourtant. Et puis même généralement des oiseaux.
Un héliculteur élève des escargots. Non. Eh ben si, vous pensiez quoi, vous, des hélices? Bah, bon. Eh ben non, c'est vrai. C'est vrai. Allez, facile. Un tabaculteur cultive du tabac. Oui. Bonne réponse! Un mycoculteur cultive des champignons. Non. Eh ben non, celui qui cultive des champignons, c'est le champignoniste. Un aquiculteur élève des espèces marines, moules, huîtres, frites, etc. Non. Ben si, pourtant, c'est vrai. Faut pas confondre avec l'aquiculteur africain. Qui est un paysan africain. C'était une bonne réponse. Enfin, vous avez fait une mauvaise réponse, oui. Mais là, c'était une bonne réponse. Je me comprends. Foutez pas la merde, Gilles. Foutez pas la merde. Un mythiculteur élève des insectes. Non, il élève des moules. Bonne réponse. Un pomiculteur cultive des poires. Bah non. Des poires, des pommes et des scooby-doo-bidou. Eh ben si, pourtant. Si. Il élève même tous les fruits à pépins. C'est une mauvaise réponse, Gilles. Ça nous fait trois bonnes réponses. 30 secondes plus 30 secondes que nous vous offrons afin de sortir plus facilement de la cage aux chansons. Qui va s'y laisser enfermer? Evelyne. Petit bouchon. Allez, file dans la cage. On est parti pour la cage. Mettez une main de chaque côté du bumper, testez le bouton rouge. Voilà. Vous avez une minute pour essayer de trouver 5 titres. Ça fait 60 secondes, c'est bien. Vous avez 10 secondes de rab, l'affaire est bonne. Je vous sens motivé, concentré, Evelyne. Ouais. Dans le doute, s'abstenir, car si vous faites une mauvaise réponse, eh bien, vous quoi ? Ouais, d'accord. Alors, Carrie, elle s'en fout complètement. Jimmy est toujours aussi belle. Gwen, elle est carrément pas là. Avec sa méduse sur la courge, là, alors vraiment. Ah, je suis pas assisté, hein. Je suis pas aidé. Hein. Rosa, chérie, tu es là, heureusement, chérie, parce que je n'en peux plus. Avec les gros boudins qui sont autour de moi, mon Dieu, la vie est devenue impossible. Evelyne ? Oui. On y croit, on se bat ? On y croit. Première chanson, chanson, s'il te plaît. Les brunes comptent pas pour des prunes. Les brunes comptent pas pour des prunes, bonne réponse. Chanson, next one, please. J'aurais voulu être un artiste. Pouvoir faire mon numéro. Le business du businessman. J'ai lu le mot là, comment vous dites? Le business du businessman. Le blues du businessman, bonne réponse. Je m'excuse auprès de l'ingénieur du son à qui j'ai dû faire légèrement bouger les aiguilles. Yves Montand va nous interpréter cette chanson. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournées pour les coquets. Non, je suis désolé, celui-là, on l'accepte pas. Non, faut pas tricher dans le public, c'est comme ça. Là ! Oui, en plus, c'est votre équipe qui a triché, voilà. Donc, vous rajoutez 3 barreaux. Je suis désolé, celui-là est annulé. Allez, chanson, on enchaîne. Je vois la vie en rose. Oui ! Elle voit la vie en rose. Moi aussi. Moi aussi. Si vous êtes comme ça, tu es... J'aime les filles. Oui, moi aussi, j'aime les filles. Allez, 33 secondes pour découvrir le dernier, c'est facile, hein. C'est facile. Chouchou. Viens à la maison. Pourquoi faire? Il y a le printemps qui chante. Eh ben d'accord, allez, on y va. Bien. Attendez, remontez là-haut. Le chronomètre s'en va, le chronomètre démarre quand vous posez le pied à terre. Vous avez 30 secondes pour aller voir Rosa. À mon avis, tout va très bien se passer. Vous êtes prête? Ouais. Attention. 3, 2, 1, 0. On y va. Top. Ah, ça y est, elle est morte. Dépêchez-vous.
chérie. Tu as porté chance à cette équipe de bonheur, amour. Bravo. Bisous. Fier. Désinvolture, quel manque. Bon alors, Vic, qu'est-ce qui se passe-t-il, Pascal? Le pédaleur, il était mauvais. Le pédaleur était mauvais. Ouais. Ah, bah oui, qu'est-ce que tu veux, hein? Il y a un sketch comme ça de Chevalier Laspalès. Sur les vélos de course, on reconnaît les mecs professionnels parce qu'il y a deux bidons, un pour boire et un pour pisser. Et puis quand un coureur tombe, c'est qu'il s'est trompé de bidon. Allez, résultat des courses, eh bien, on a 2 points. Non. Eh bien, si. 2 points pour les Bleus, 12 000 francs. L'affaire est excellente. L'affaire est excellente. Rien. Mais il vous est possible de ne pas repartir une main devant, une main derrière, avec le troisième cheveu. Vic, d'après ce que j'ai compris, vous êtes depuis peu avec un homme de votre cœur. Oui. Depuis combien de temps? Un mois. Est-ce que vous faites... est-ce que vous vivez ensemble? Pas encore. Alors justement, on va vous donner la possibilité de répéter un emménagement. Imaginez, belle maman vous a offert un canapé qui rentrait pas chez elle, qui était d'une horreur, sans nom, et elle s'est dit, tiens, je vais mon... Hop, à Vic. Donc, à vous de faire rentrer ce canapé dans la maison. Qui, cabaret, j'allais dire? Ouais, foutez-vous de ma gueule, allez-y, allez-y. C'est vous, Thierry? Après la pédale, le canapé. Allez, on est parti pour la troisième manche. Allez, alors ça me régale, tiens quoi, ça me régale. Vic, deux choses très importantes. Un, vous devez toujours être la première en pole position. Deux, vous devez en aucun cas mettre le canapé à bout de bras en l'air, ni le poser à terre, ok? Et c'est idem pour vous, d'accord? Alors attention, chaque fois que vous faites tomber un objet, c'est 5 secondes de pénalité. Le chronomètre part à mon top et le chronomètre s'arrête lorsque vous vous asseyez dans le canapé à la sortie du studio. 3, 2, 1, top! C'est parti! Avec les bulles, c'est pas sûr. On a un sponsor qui est un jus de fruits gazeux, alors moi je. Il est pas tombé, ça c'est tombé. C'est bougé, c'est pas. Ah, ça c'est tombé. Voilà, allez, c'est tombé. Tombé. C'est tombé. Ah non, on a pas le droit de pousser ça. Tricheuse. À 50 secondes, passer deux plombes, on arrête le jeu. Allons-y. 57 secondes. Allez. La lithographie n'est pas tombée, le poster est tombé. Allez, asseyez-vous vite, attention. 1 minute 9 secondes. Alors, allez. 1 minute 9 plus les pénalités. Allez, tiens, sympa. Je vous le fais à 2 minutes 25. Tiens, cadeau. 2 minutes 25. Eh, prochaine fois, on fera passer en vélo. Hein. Je suis sûr que ça sera mieux. Vous avez chaud, hein? Un peu. Attendez, je peux faire quelque chose pour vous. Hop. Merci. Putain, quel mec. Je suis hyper équipé. Hop. Voilà. Allez, qui va de ce côté-là? Moi, Evelyne. Et Gilles. Evelyne, alors oui, le temps pour moi de vous dire que si vous avez envie de participer à cette émission en tant que jury ou candidat, n'importe quoi, vous téléphonez, faites le 16-1, enfin maintenant vous connaissez la ritournelle. Voilà, c'est vous qui êtes devant. Un mouchoir avant de partir, voilà. Rendez-le-moi, ouais, je vous vois venir, dégueulasse, on est partout là. Attention, 2 minutes 25 à battre, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, en piste. Allez Evelyne, elle fait ce qu'elle veut avec son corps celle-là, hein. Allez, voilà, c'est un bon début, c'est un bon démarrage. Ah, oh, ah, c'est dommage, 4 d'un coup là. Alors on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Secondes et nous avons en tout et pour tout 2 minutes. 2 minutes.
C'est beau. On va rentrer. Vous allez y aller, vous y aller, ouais, vous allez pas rester, vous. Ben, merci d'être venu, ça m'a fait plaisir de vous connaître. Nous aussi, vraiment. Restez jusqu'à la fin du jeu, quand même, non? C'est, vraiment, vous faites comme vous voulez, mais ça me ferait plaisir que vous restiez. Bon, bah, c'est bien de m'en rester. Non, mais on m'a dit qu'il y avait une gaffette si on gagnait pas. Ah, si on gagne pas, de toute façon, on a une gaffette pour la soirée. Et les filles, elles ont quoi, alors? Hein? Les filles, elles ont la gaffe. Okay. Hein, vous allez rester encore un petit peu. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bien, qui fait le dernier vrai faux? Moi. Allez. Faux. Nous n'avons eu qu'un seul grand chelem depuis le début de cette émission, depuis 41 maintenant émissions, ou 42. Va-t-on avoir un deuxième grand chelem ce soir avec les Bleus? Oui. Je ne vous souhaite que ça. Oui. On va l'avoir? Oui. Comment ça, on va l'avoir? Où ça? Oh, c'est d'un goût. Le mot orgue. Tant, tant, tant. Le mot orgue est masculin au singulier et féminin au pluriel. Non. Eh ben si, pourtant. C'est pourtant, si. Hein. On dit un homme au masculin et une tante au... À l'origine, un damoiseau désignait un jeune homme de moins de 25 ans. Vrai. Non, c'est faux. Alors ça, ça vous apprendra. Alors ça, c'est bien fait, mais alors... Mais tiens, je jubile, tiens. Ça a bien fait pour ta gueule. Non, mais ils n'arrêtent pas de tricher. Les Bleus, ils trichent. Qu'est-ce qu'ils disent? Le poisson archer projette des dards empoisonnés pour tuer ses proies. Ah, pour... Vrai. Non, c'est faux. Il les assomme à l'aide d'un judo. N'est-ce pas? Les naufrageurs faisaient des faux signaux aux navires pour les faire échouer sur les récifs. Faux. Eh non, c'est vrai. C'est même une grande légende, ça. Oh là là. Alors là, par contre, c'est la première fois... On n'a jamais eu un zéro pointé, hein, sur un... Le nigo est un mammifère cousin de l'antilope. Faux. Eh ben si, c'était vrai, c'est une bête à cornes. Autrefois, les éventailistes étaient chargés de faire peur aux oiseaux dans les champs. Vrai. Non, c'est faux, ils fabriquaient des éventails, mais ils n'avaient pas peur aux oiseaux. Si vous ne répondez pas bien à cette question, on transforme le quiz en stripped quiz, ok? Donc vous devez enlever quelque chose. Le mâle de l'abeille est appelé faux bourdon. Vrai. Ah, zut. Bonne réponse. Vous avez sauvé l'honneur, là. Ouais. 10 secondes, vous avez gagné 10 secondes. Une bonne réponse. Excusez-vous auprès de tout le monde. Je m'excuse. Voilà, à la bonne heure. Bon, ben nous, on se retrouve juste après la... Comment ça s'appelle la pub. Ce soir, dans LMI, un reportage exceptionnel sur Johnny Hallyday. En novembre prochain, le chanteur donnera un concert unique à Las Vegas. Ça, c'est une vraie scène de spectacle. Au cours d'un repérage, toute l'équipe de LMI a suivi la star dans la ville du Nevada et vous invite à vivre, en avant-première, les coulisses de cette aventure. Au programme du rock, des fans et des Harley Davidson. Plein feu sur Johnny Hallyday dans LMI, ce soir 22h30 sur TF1. Oh, c'est pour rire. Pour rire. C'est drôle, c'est un petit peu drôle, c'est pas drôle. D'ailleurs, vous êtes morte de rire, Vic. C'est intérieur, vous riez intérieurement. Ouais, je me retiens. Ouais. Je pensais qu'on avait un bon contact tous les deux et couillé la baie. Mesdames et messieurs, les gains, chose importante. Sur lequel repose cette émission hautement intellectuelle et culturelle. On est voisins tous les deux. Ah, tous les deux, ouais. Faites le malin. Maintenant, on va se croiser sur la National 10. Tiens, il va y avoir des coups de cibi en l'air. L'équipe bleue a 2 points, c'est-à-dire que pour l'instant, elle a la somme de 12 000 francs à se partager. Les blancs, ils font la gueule, hein, ils triste mine. Mais Vic, elle n'était pas motivée dès le début. Dès le début, j'ai senti. Voilà. Bon, mais vous restez avec nous, vous avez promis jusqu'à la fin. Voilà.
Vous allez tenter le grand chelem. Je rappelle le numéro de téléphone, 36 80 18, c'est les pompiers que je salue au passage. Et d'ailleurs, tiens, ça me permet de saluer tous les pompiers qui ont permis de sauver le Crédit Lyonnais, parce qu'on aurait été dans la merde, quoi. Déjà, le crédit, il a gonflé en ce moment, alors c'est pas la peine de l'enfoncer encore un peu plus, vous voyez. Donc je salue tous les pompiers d'une manière générale. Voilà. Ah ben oui, c'est qui la bergère? C'est Franck Ounet. Ah, la gueule de la bergère. Est-ce qu'elle est pucelle, la bergère? Ça dépend d'où. Ça dépend aussi. Allez, file, on est parti pour le troisième chiffre. La bergère. Franck, je vous présente Vincent. Vincent, Franck, Franck, Vincent. Cap, le chien, alors, il n'a plus rien à foutre. Dès qu'il y a un méchoui sur patte, lui, il n'a plus que la dalle. Voilà, ce jeu est très simple. Quoi? Comment? Sur un autre ton, hein, les moutons. Vincent arrive des Pyrénées avec ses chiens. Il est parti il y a quelques temps, d'ailleurs. Il a fini en métro, dans les RER, avec les moutons, ça faisait bien. Le jeu est très simple. Vous avez 40 secondes. C'est dire que vous allez ramer comme un fou. Le chien va amener tous les moutons dans l'enclos opposé. Lorsque tous les moutons sont dans l'enclos, vous allez dans l'enclos, vous défaites le nœud qu'il y a autour du mouton, vous prenez la clé, vous venez, vous tentez d'ouvrir. Si c'est bon, tant mieux pour vous. Si c'est pas bon, eh ben, faudra recommencer. Mais en 40 secondes, c'est pas gagné. Attention, pour 40 secondes, mesdames et messieurs, top le chrono quand vous voulez. C'est parti. Voilà. Attention, Vincent, tu vas te faire charger. Attention, Franck, vous êtes prêts à y aller. Allez-y. Voilà. Voilà. Oui, vous ramenez pas le mouton, hein, que la clé. Il n'y a pas la clé autour. Allez tomber, elle est à terre là-bas, elle est à terre. Voilà, allez-y, ramenez. Top le chronomètre. Ouais, on lance ça. Et comme ça, comme ça, comme ça. Ah ouais, non, bravo. Hein. Venez, on retourne là-bas. Ah non, bien. Écœurant, écœurant. Écœuré. C'est la choune. Ah. Non, pas nous. Eh ben, ça y est, on y est au grand chelem. 18 000 francs, mesdames et messieurs. Bravo. Alors, un grand chelem d'un côté, est-ce qu'on va faire sauter la cagnotte? Ça, c'est pas dit. Je suis désolé, vraiment, je suis navré, désolé, comme dirait Alex Métayer. Vous ne repartez pas les mains vides, car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais TF1 a monté une des plus belles escroqueries. Il se charge de voler tous les conteneurs où il y a des Walkman, des autoradios, des fours à micro-ondes, et on les offre comme ça un petit peu à tout le monde. Donc là, non, vous n'avez pas de micro-ondes, vous partez avec un Walkman, plus un truc qu'on va vous offrir. Enfin, c'est pas moi qui vous l'offre, c'est... Ben, Jimmy va vous en parler. C'est Jimmy qui nous raconte ça ce soir. Eh oui, bravo les Bleus. Vous remportez ce soir un abonnement au magazine Télé Loisirs. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons une possibilité supplémentaire de gagner la somme de 10 000 francs en participant chaque jour à notre tirage au sort. Pour cela, découpez vite le bulletin Télé Loisirs de cette semaine, recopiez-le sur papier libre et envoyez-le avant samedi minuit à l'adresse qui se trouve en bas de votre écran. Comme tous les soirs, nous allons donc procéder à notre fameux tirage au sort. Alors, je vais prendre une petite carte. Alors, si le téléphone sonne aujourd'hui, alors, ma demoiselle Christiane, qui habite au 16 route des Glaciers, dans le 89 à Saint-Martin-du-Terre, gagne la somme de 10 000 francs offerte par notre partenaire. Bonne chance et encore bravo. Bravo. Comment elle s'appelle? Christiane. Christiane. Yes. Christiane, 10 000 francs. Une patate à la fouille. Si ça sonne, Christiane, c'est pas gagné. Si ça sonne, vous avez gagné. Merci d'avoir participé. Merci de vous être prêté au jeu. Bravo. Merci d'avoir participé jusqu'au bout. Vic, faites mes amitiés à votre ami. Dites-lui qu'il a beaucoup de chance. Et j'ai même presque envie de dire, ah, le salaud. Voilà. Quelques applaudissements pour nos deux équipes. Quant à nous, eh bien, il ne nous reste plus qu'à se retrouver pour l'énigme. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous savez que le propre de l'histoire drôle, c'est souvent d'être grivois. Et jusqu'à présent,
Et jusqu'à présent, on a raconté des histoires tout à fait sobres, tout à fait propres, tout à fait convenables. Eh bien, nous allons déraper quelque peu ce soir. Et c'est pour ça que ce soir, je me permets de vous prévenir que on va pas tomber dans l'excès, mais on va déraper un petit peu. Hein, d'accord ? Ouais ! Comme quoi, dès qu'on parle de cul, l'affaire est bonne, hein ? Ah, bande de dégueulasses. Les gamins, quel âge t'as, toi ? 7 ans. Ouais, vas-y. C'est Mokhtar. C'est Mokhtar. Il habite la Kabylie et Mokhtar, il fait la contrebande. Mokhtar, il est contrebandier. Et il se promène avec la caravane des chameaux. Il a 3 chameaux. Il se balade avec la caravane. Il fait la contrebande d'olives. Oui, là, monsieur, il trafique dans les olives. Alors, les chameaux, ils ont un panier de chaque côté, comme ça. Et les paniers, ils sont pleins d'olives. Et il arrive à la douane. Le douanier, il fait « Restez là, yalla !» Contrôle d'identité, « Give me les papiers !» Alors Mokhtar, il file les papiers, et fait « Wacha, la baisse, coach, imziem, barra, wacha, wacha, wacha. » Qu'est-ce qu'il y en a dans le panier à nos yeux ? Mokhtar, il fait « Monsieur, c'est le casse-croûte, c'est juste pour manger, comme ça, droite à gauche. » « Ah ouais ?» Elle va chauffer les yeux, il ouvre le panier, comme ça, il regarde, « Yalla !» C'est un étau plein d'olives, l'autre il fait oui, c'est pour mon 4 heures. Ah ouais, c'est pour ton 4 heures. T'as voulu nous niquer ? On va te niquer. Allez, baisse le pantalon. Pourquoi j'ai baissé le pantalon ? Baisse le pantalon ! Ah pourquoi j'ai baissé le pantalon ? Baisse le pantalon, Nadine, ta physionomie. Waha, il baisse le pantalon, il dit on va te faire le supplice de la tchunga. La tchunga, mets-toi la 4 pattes. Pourquoi j'ai la 4 pattes ? Mets-toi la 4 pattes. Pardon, monsieur. Mets-toi la 4 pattes, Mokhtar, il se met à 4 pattes. Et la tchunga consiste à lui en mettre les olives, les unes après les autres, dans le thermal. Le douanier lui met les olives comme ça. Et d'un coup, Mokhtar à 4 pattes, il est mort de rire, il rigole. Et le douanier vexé, il fait ça te fait rigoler. Et Mokhtar relève la tête et fait ouais, je rigole parce que la semaine prochaine, il y a mon cousin Mahmoud, il arrive, il fait le trafic d'ananas. Ah, un petit peu, allez. Un tout petit peu, Grivoise, un tout petit peu coquine, hein, on peut. La semaine prochaine, je vous en ferai une belle, hein, la semaine prochaine, je vous en ferai une belle. La question est simple, combien y a-t-il de paniers en osier en tout ? Combien y a-t-il de paniers d'osier ? Facile, elle est facile la question. Mesdames et messieurs, 36, 80, le 18, le 90, quelque chose, ce soir, les télécoms ont beaucoup... France Télécom aura beaucoup de soucis à se faire car le téléphone va évidemment sauter. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour 45 secondes, branchez-moi la prise félétonique. Alors, ça va téléphoner dans tous les sens. Dans tous les sens, ça va appeler à tire l'arigot. Si le téléphone ne sonne pas, je me fais appeler Berthe. 36, 80, 18 et quelque chose. Allez, encore 20 secondes. Et le téléphone sonne, la cagnotte va peut-être éclater ce soir. Décrochez-moi le téléphone. Jean-Louis, il a merdu là. Descends-le un peu. Encore. Stop. Merci. Stop. Voilà. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au plateau de l'Or à l'appel, à qui ai-je l'honneur ? À Daniel. Daniel, enchanté, Daniel. Vous nous appelez d'où, Daniel ? De Tournu, Saône-et-Loire. De Tournu, la province. Enfin la province qui accède à la cagnotte. Daniel, donnez-moi le numéro de téléphone, ou plus exactement, donnez-moi le dernier chiffre qu'il fallait trouver. 96. Le 96, c'est gagné ! Il y avait 3 chameaux qui avaient 2 paniers chacun. 3 fois 2, 6. Bravo, bien joué. Daniel, vous tentez la cagnotte ? Oui. Eh ben 15 patates, tiens, on va se gêner. Choisissez une couleur parmi les couleurs de l'arc-en-ciel, s'il vous plaît. Le rouge. Le rouge. Vous faites quoi dans la vie, Daniel ? Ouvrier. Pardon ? Ouvrier d'usine. Vous êtes ouvrier en quoi ? Oui. En quoi ? Une usine de peinture. De peinture ? Oui. À la bonne heure. J'espère que ça va mettre de dans les épinards. Ah, c'est sûr. Oui. Bah tiens, ça c'est sûr. Le rouge, vous m'avez dit ? Le rouge. Ah, sacrée coquine, celle-là, va. Quel est votre loisir préféré ? Le sport. Bah, les voyages. La géographie. Ouais. Hein ? C'est pas très difficile. C'est pas évident, mais c'est pas très difficile. Allez, vous avez 10 secondes.
Et il est con, hein. Non, enfin, moi, je me permettrai pas, Daniel. Bien, Daniel, vous avez 10 secondes pour me répondre après l'énoncé total de la question. Vous n'avez droit qu'à une seule bonne réponse, qui doit venir avant la dernière seconde. 150 000 francs. Attention, si dans le public, j'entends un mot, vous êtes tous collés samedi. Quel est le pays le plus urbanisé d'Europe? J'attendais une réponse, Daniel. Ah oui, je... Eh oui, malheureusement, Daniel, vous n'avez rien dit. Il aurait fallu au moins dire quelque chose. Le pays le plus urbanisé d'Europe à l'heure actuelle est la... L'Allemagne. La Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne. Daniel, vous remportez quand même la somme de 10 000 francs. Je vous souhaite une excellente soirée. Ne raccrochez pas, on va prendre vos coordonnées. À bientôt, Daniel. À bientôt. Bonsoir. Demain, la cagnotte sera à 160 000 francs. Ça n'arrête pas de grimper. Mon Dieu, quel bonheur, quel plaisir. Merci les équipes, bravo. Merci les candidats, merci à tous. Les gars, faites bonne soirée. Salut Vincent, salut le chien. À demain. Ciao, ciao. C'était l'heure à l'appel avec le magazine Télé Loisirs.